C'est plus ton prénom, Gérard. Ouais. C'est pas Pascal, c'est pas pour Wanda, pour Gérard, qui passe très bien. Il a été demandé de faire un point sur les mobilisations sur le Rhône. Il y a eu déjà deux initiatives alternatives. Une à Yvor qui a réuni à peu près 2000 personnes sur une sorte de grand forum dans un parc avec des stands et tout ça. Ça faisait un peu kermesse quand même, mais pas beaucoup politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, par exemple, il y avait très très peu de gens dans les débats. Mais il y avait des gens autour des stands qui discutaient, tout ça. Donc ce qui s'est dit, on a du mal à prendre la mesure. Les organisateurs étaient très satisfaits. Moi, j'étais plus litigé sur le fait que les débats, donc tout ça, le fait que les gens viennent, c'est positif, mais il n'a pas été fait de la politique. Deuxième initiative qu'il y a eu, c'est les vélos, donc ils sont arrivés à Lyon. Et ça a réuni sur une place, la place Saint-Jean, environ 500 personnes, avec des stands, de la bouffe, une mise en scène au sens positif du terme, hein, de ce qui est alternatif. Et en même temps, il y avait un débat dans une salle juste à côté. Il y avait 500 personnes sur la place, il y avait 25 personnes au débat. Donc pareil, même constat. Une grande difficulté des gens à s'intégrer dans un espace politique. Ceci dit, le contenu des interventions était extrêmement politique, très intéressante. Beaucoup de choses qui ont été dites, si ça avait été nous, on aurait dit la même chose, quoi, sur le changement climatique, la nécessité de changer le système et tout. Pour Alternativa, c'est plutôt une bonne surprise que ça se passe comme ça. C'était fait par l'un des animateurs du circuit à vélo. Quelque chose quand même qui n'est pas marginal, qui correspond au fond de la pensée de certains des militants d'Alternativa. Voilà. Mais par ailleurs, quand on discute dans les réunions d'Alternativa, où je vais un petit peu, il y a une volonté de ne pas faire de la politique parce que les gens ne comprendraient pas. Donc quand on discute avec les gens dans la rue, ils sont extrêmement intéressants à la sortie de la réunion, mais dans la réunion, surtout, on parle que de technique, d'organisation, de stand, de bouffe, de trucs comme ça. On ne va pas relancer des débats politiques parce que les gens ne comprendraient pas ou ne suivraient pas. Ça fait un peu nouveau converti qui croit que la démarche qu'ils ont fait eux, les autres ne vont pas les suivre. Bon, c'est ce truc. Deuxième truc que je voulais dire sur les mobilisations. On a le cadre que tu as décrit, hein, Alternativa d'une part, la coalition d'autre part, c'est le cadre avec lequel on va préparer les trucs de mobilisation de décembre. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus et tout. Moi, ce qui me questionne, la question que je vais poser, c'est le coup d'après, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a des réponses qui ont été apportées. Certains camarades disent on va s'inscrire dans la question de transport gratuit dans les villes, par exemple, c'est une façon de prendre les choses. Toi, tu as dit. Dominique, la question anti-nucléaire, qui est aussi une autre façon de prendre les choses, mais il me semble qu'on les prend en toute modestie, et peut-être avec trop de modestie, ou peut-être avec nos forces, c'est tout, hein, par le petit bout, par la base et tout ça. Moi, je pense, c'est à discuter, je pense que ni Alternativa, ni la coalition climat sont des cadres qui peuvent être durables et qui peuvent allier l'anticapitalisme, en tout cas, le changer, mettre en forme le slogan « Changeons le système, pas le climat », je crois que ces structures-là ne vont pas être suffisantes. Et donc, est-ce que peut-être penser, c'est pas le MPA qui va le faire, mais avoir en tête, en tout cas, quelque chose d'aussi radical que l'a été à l'époque le mouvement intermondialiste, à sa fondation. Quelle structure, avec qui, dans quel cadre, avec certaines ONG, sûrement pas toutes, avec les syndicats, sûrement pas avec la CFDT. C'est ce truc-là qu'il faudrait qu'on arrive à avoir en tête, non pas pour dire si c'est le père qui va le faire, mais pour dire que susciter, en tout cas, tous les militants qui ont une audience, et en particulier les anciens intermondialistes, pour qu'ensemble on se pose ces questions. Voilà. J'ai encore une minute ou pas? Troisième truc, moi je pense qu'on n'a rien à gagner à faire du catastrophisme
façon, la vie sur Terre risque de disparaître, ou l'humanité risque de disparaître. Je pense qu'avec ce que dit le GIEC, ça suffit pour poser les problèmes. Par exemple, les réfugiés climatiques. Si le niveau de la mer monte de 1 mètre, c'est 500 millions de paysans dans le monde qui ne peuvent plus faire de l'agriculture là où ils sont, sur les plaines côtières. Quand on dit que, quand on voit 10 millions de réfugiés aujourd'hui, ce que ça fait en Europe, 500 millions de personnes, ça suffit pour donner la mesure des problèmes qui vont être posés, sans rajouter une couche, un peu comme tu faisais, Michael, à la fin de ton livre, où tu voyais une grand-mère qui montrait la cathédrale d'Amsterdam sous les eaux. Bon, je pense que c'est contre-productif de dire ça. Voilà, moi je ne suis pas d'accord pour présenter les choses en termes d'apocalypse. Je suis pour les présenter en termes... Il y a eu des catastrophes dans l'histoire de l'humanité. Hein, 95% des aliens d'Amérique ont été détruits, ou des aborigènes d'Australie. La grande peste qui a détruit 50% de la population européenne. Des catastrophes de grande ampleur, il y en a eu. Et c'est à la mesure de ces catastrophes qu'il faut prendre le réchauffement climatique, pas à la mesure du risque de disparition de la vie sur Terre ou de la disparition de l'humanité. Pascal ? Oui, c'est à peu près le même constat qu'on a sur Grenoble avec l'arrivée des cyclistes de Alternativa. On y était, mais on n'a pas été au débat, mais je pense que la proportion de gens présents à l'arrivée des vélos et ceux qui étaient dans les débats, ça devait être la même. On y était en tant que collectif des transports gratuits, j'y reviendrai. J'avais deux réflexions sur le fait de dire, merci même si c'est Naomi qui le dit, que ce sont les mouvements sociaux qui vont sauver... pas le climat, puisque le climat, il fait ce qu'il veut, mais surtout l'humanité. Mais ça, c'est vachement important. Par petit bout de la lorgnette, par exemple, rien que la chaleur cet été, ça pose directement des problèmes de conditions de travail. Tous les gens qui travaillent sur les toits, le BTP, les hôpitaux, ça, à terme, ça va être le retour du travail de nuit généralisé. Voilà un aspect de la société qui est posé par le climat. Un autre aspect, c'était le copain qui, je crois, n'est pas là, qui travaillait dans le transport aérien, qui se demandait jusqu'où, comment on allait faire avec la massification du transport pour le tourisme et en dehors des vacances, le transport pour affaires. Ça pose directement la question du secret des affaires, puisque les gens prennent l'avion pour discuter, négocier des contrats dans le cadre de leurs égos divers et variés ou de leurs amitiés, des gros contrats, et ça se fait entre quatre yeux. Et là, on est pour lever le secret des affaires et rendre tout ça public. Et enfin, à ce sujet-là, autre chose, le capitalisme, enfin entre guillemets, ne reste pas inactif. Alors, en dehors des grosses solutions à la con de balancer de l'aluminium partout dans l'atmosphère ou de pomper le CO2, je ne sais plus où, là, dans des trous, il y a un livre qui est intéressant, qui est en vente à la Brèche, qui s'appelle « La nature est un champ de bataille », où on montre d'ailleurs une source très intéressante de chiffres sur ce que coûte, alors forcément c'est la vision économique, les catastrophes naturelles. C'est l'organisme de réassurance suisse RE qui vraiment codifie ce qu'a coûté par exemple la tornade en Louisiane, etc., et ce que ça va coûter dans le futur, puisque tous ces gens-là calculent combien ils vont gagner ou pas. Et notamment, le capitalisme recycle ça. Alors, il y a les marchés du carbone, mais il y a aussi en France des municipalités qui versent aujourd'hui de l'argent dans le cadre de choses qui sont équivalentes à la bourse, au crédit swap. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parient qu'une catastrophe va avoir lieu, et forcément, les gens qui sont touchés
verse de l'argent, parce qu'il parie que... Enfin, le contraire, c'est-à-dire il y en a qui parient que ça va avoir lieu, puis d'autres qui espèrent que ça ne va pas avoir lieu. Et donc, c'est des comptes à terme, c'est-à-dire qu'au bout d'une certaine échéance, eh bien, on estime, est-ce que la catastrophe a eu lieu ? Si oui, le mec qui avait vendu ça, bah, il est obligé de rendre l'argent. Sinon, bah, la municipalité, entre autres, la collectivité, a perdu cet argent. Voilà. Et sinon, dernière chose, par le petit bout de la lorgnette, dans l'état actuel des mobilisations, on a trouvé localement que les transports publics gratuits, c'était l'occasion de remonter des collectifs unitaires, donc de travailler ensemble. À Grenoble, ça marche relativement bien, puisqu'on a une palette assez large de gens qui interviennent, qui ça fonctionne relativement bien. Ça fait un peu le buzz, surtout qu'en ce moment, ils sont en train de faire crever le transport public chez ce maire, fameux maire dit écolo. Et on a des jonctions avec les quartiers populaires, avec, voilà, avec des choses comme ça. C'est vrai, c'est le petit bout de la lorgnette, mais ça permet de revenir sur certains terrains qu'on a du mal à investir. De gauche à droite, vas-y, on va faire comme ça. Jean-Marie, du comité Pessac-Sestas, en Gironde. Voilà, excusez-moi, je vais poser une question un peu hors sujet, quoique Christine a terminé son débat par le mot écosocialisme. Michael a terminé son topo aussi par le mot écosocialisme. Alors, malgré les apparences, je suis un jeune militant, anticapitaliste, alors j'ai besoin d'un peu d'historique. Alors, il y a des camarades dans notre parti qui rejettent le mot écosocialisme. J'ai déjà eu le débat avec eux à Bordeaux. Argument comme ressort, le socialisme est forcément écologiste, c'est pas la peine de dire qu'il est écologiste, puisque le socialisme est forcément écologiste. D'autre part, Mélenchon s'est emparé de ce mot, donc c'est qu'il ne doit pas être très bon. Moi je pense que si s'en est emparé, c'est qu'au contraire, parce que le mot est bon. Voilà. Alors, je voudrais avoir quelques renseignements, je profite en particulier de la présence de Michael. Sur l'historique de ce mot, par exemple Carmen dans son Carmen Castillo dans le film sur Ben Saïd, j'ai entendu que Ben Saïd avait employé le mot écosocialisme déjà. Voilà, je voudrais avoir un petit historique sur le mot écosocialisme. Oui, alors moi je suis Bruno là, aussi de Gironde, donc j'avais partie des camarades avec qui Jean-Marie a discuté du terme écosocialisme. Je partage pas forcément, disons, l'utilité d'utiliser le terme, mais c'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Moi je voulais revenir sur ce que disait Michael sur le livre de Naomi Klein, que je trouve aussi très important avec les réserves qu'il a dit. Et moi, parmi les arguments, moi, ce que j'ai noté qui était très révélateur, c'est le parallèle qu'elle fait entre les échecs depuis 1992 des conférences de climat, que tu as cité avec le chiffre de l'augmentation des émissions, et puis par contre le succès des conférences pour la mise en place de la mondialisation, c'est-à-dire le cadre de l'OMC. D'ailleurs, elle explique bien que l'un est lié à l'autre, et que dans la réglementation des conférences qui ont mis en place l'OMC, bien les trusts pétroliers peuvent trouver, y compris des réglementations qui permettent de combattre les politiques publiques qui pourraient être mises en place pour limiter, pour essayer de limiter la politique extractiviste, ainsi que plusieurs exemples au Canada. Voilà. Donc je trouve que c'est très révélateur de la contradiction fondamentale qu'il y a entre le raisonnement à court terme des marchés et ce qui est en train de se mettre en place, quoi, qui s'est aggravé avec la mondialisation, et puis les solutions qu'on pourrait reprendre à notre compte qui sont proposées par des scientifiques, mais qui impliquent effectivement une planification, qui implique un raisonnement sur le long terme, qui impliquerait des politiques publiques. Donc ça, c'était le premier point. Après, comme autre argument que j'ai trouvé intéressant, elle montre aussi que des grandes organisations, des ONG écologistes, faute en quelque sorte de projet, de perspective de transformation de la société, ont fini par s'adapter au cadre qui leur était imposé par la mondialisation, et puis à reprendre finalement des solutions du capitalisme vert, et à discuter sur ce terrain-là. Et ça, je crois que c'est important de l'avoir en tête. Après, je suis aussi d'accord que l'un des points importants, c'est le fait qu'elles disent, finalement, c'est par les mouvements sociaux que ça peut changer, et c'est là que je pense que la discussion, elle commence. Avec nous, quoi, et elle, éventuellement, si on est amené à discuter avec elle, mais avec le cadre, les cadres de ceux qui se situent au moins sur le terrain de la nécessité des mouvements sociaux, c'est les mouvements sociaux avec quelle perspective, et puis avec quelle perspective politique. Et,
effectivement, moi je pense que, alors, enfin, je ne sais pas si c'est un sens de dire que le socialisme est écologique par nature, mais je pense que, par contre, ce qui me semble, c'est qu'on a une contradiction qu'on a du mal à résoudre. C'est que d'un côté, on dit, comme Naomi Klein, que oui, le problème est d'une telle ampleur, avec une telle urgence, qu'il n'y a que des solutions à l'échelle du monde, des solutions radicales, avec un changement de civilisation. Mais après, quand on décline ça, finalement, on fait une liste de je dirais, on prend le problème, enfin, entre guillemets, un petit peu par le petit bout de la lorgnette, parce qu'en fait, on en revient à mettre en avant une série de solutions techniques. Alors, comme Sophie m'a répondu très justement à la fin du premier débat, on est au NPA, donc pour nous, l'idée de l'expropriation, que ça passe par là, c'est une évidence. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas par rapport à nous. C'est justement ce qui me semble être un levier formidable, c'est que le problème de la crise climatique, ça pose le problème de l'expropriation, de la planification, à une échelle qui nous dépasse complètement. C'est-à-dire que c'est peut-être la possibilité pour que ces idées-là, qui ne sont quand même pas aujourd'hui à la mode, quand même, depuis quelques décennies, reviennent justement sur le devant de la scène comme les seules solutions possibles. Et c'est pour ça qu'il me semble que c'est très important d'articuler, même si on discute des solutions techniques, comme l'a fait Yann, moi, parce qu'il faut aussi le faire, ou par rapport au nucléaire, il faut poser ce problème-là, et que c'est indispensable vraiment, c'est pas facile, mais d'essayer de le formuler, d'articuler, en lien avec cette nécessité de politique publique, mais qui concrètement pour nous veut dire l'expropriation, veut dire une planification, veut dire aller contre le marché. Parce que c'est au sens de diffuser le plus largement possible, et puis alors je rejoins le camarade, parce que moi je pense aussi qu'Alternativa, bon, je passe vite, il y a eu la même chose à Bordeaux, avec à peu près le même constat, je rajouterais juste que quand même, Juppé était invité, donc même s'il n'est pas venu, il a envoyé un de ses représentants, mais enfin pour dire, le cadre dans la liste des débats, il y avait un débat avec Alain Juppé, hein, qui était annoncé, pour dire la tonalité quand même du truc. Alors après, je suis d'accord aussi, après ils ont des suites avec les militants, ils ne sont pas forcément sur cette base-là, mais voilà. Donc il faudra, enfin, l'idée c'est quel cadre après pour une telle mobilisation pourront émerger, et là-dedans, nous, quelle perspective on pourrait. Voilà, je m'arrête là, je ne discuterai pas des questions. Alors, dans les gens qui étaient invités encore au tout début, il y a toi. Isabelle, voilà, je note là les trois. Alors, déjà, ton prénom, c'est quoi ? Gilbert. Hein. Et puis, je vous ai vu tous les trois dans le mot, je vais essayer de repérer. Oui, il y a droit. C'est lui, le copain, là ? Donc Gilbert du 78, donc effectivement c'est un débat très intéressant. Plus fort. Parce qu'il c'est un débat très intéressant. La première chose, je pense, pour pouvoir intervenir dans ce débat qui va avoir lieu, on va dire, à l'échelle mondiale, c'est qu'on soit nous relativement clair, parce qu'on est dans un débat où vont se mêler tout un tas de confusions politiques, tout un tas de manipulations. On a parlé de ce qui se faisait dans le nucléaire, etc. Donc il faut qu'on soit clair, nous, sur les termes, simplement pour pouvoir engager le débat sur de bonnes bases. La première chose, je pense qu'il faut qu'on proscrive de notre vocabulaire la terminologie développement durable, hein, qui est à contrario de ce qu'on veut, un concentré du problème de fond du capitalisme, qui est finalement la baisse tendancielle du taux de profit. Donc pour le capitalisme, il faut du développement, et pour pouvoir faire de la plus-value, de plus en plus de développement, parce qu'il y a la baisse tendancielle du taux de profit, et il faut par contre que ça soit pérenne, parce que sinon ça met en cause le capitalisme lui-même. D'où le débat avec les décroissants, qui n'est pas inintéressant, mais on a aussi un débat avec eux, parce qu'il ne faut pas avoir une vision européo-centrée, etc., du développement. Il y a des endroits sur la planète où il faudra plus de développement que ce qu'il y a maintenant, puis d'autres endroits moins. Donc ça, c'est un débat de la maîtrise aussi du développement à l'échelle mondiale, d'où le fait qu'on est internationaliste. Donc sur ces points-là, je crois qu'il faut qu'on soit très clair dans les débats avec les écolos, parce que, ou les décroissants aussi, même si sur certains sujets, ils ont plus avancé que nous. Donc ça, c'est le premier point.
Toujours en rapport avec ce point-là, sur Alternatiba, concrètement, effectivement, dans le 78, on a participé dans la ville de La Verrière, qui est la ville la plus pauvre des Yvelines, à une journée Alternatiba. Même constat, hein. On a effectivement une ambiance un peu babacool, Yukaïdi, Yukaïda, etc. Mais sur le fond, très sectaire. Sur le fond, très sectaire pour les débats. Donc ça, c'est quand même un problème. C'est auto-centré sur des petites problématiques. Pas du tout la volonté de joindre la population, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui font tous les alternatibas, qui se déplacent un peu de toute la France, qui viennent là pour faire un peu d'ombre, et au détriment aussi des gens du coin, parce qu'il y a le village, c'est pas un village, c'est une ville de moyenne importance, toutes les rues étaient bouclées, ils avaient eu une subvention de la mairie, et il y avait deux groupes au sein des organisateurs qui se sont scindés pour récupérer le pognon. Ça donne déjà une idée du projet politique qui a derrière, en tout cas au niveau des organisateurs. Alors c'est peut-être que partiel, mais il faut être prudent. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'y va pas, mais si c'est pour toucher simplement des gens qui se déplacent, parce que les gens du village avaient fui le village, parce qu'ils ne pouvaient plus circuler dedans, c'était barré partout. Donc il y a quand même un petit problème. Et aussi, la volonté il n'y a pas de volonté réelle de faire le lien avec les travailleurs des différents secteurs. Comme ça, c'est très différencié suivant les endroits, mais c'est à voir. Et donc justement, ça m'amène au deuxième point. Donc moi, je travaille dans le domaine de l'énergie, je travaille dans le nucléaire depuis 25 ans, donc en étant militant à NPA par ailleurs. Donc je pense que le sujet du lien avec les travailleurs du nucléaire est fondamental. Parce que le nucléaire, c'est pas simplement, on ne doit pas simplement en parler parce qu'il y a du lobbying pour dire que le nucléaire c'est une solution, sachant que si ça concerne que 16% des problèmes d'énergie, effectivement c'est pas là où ça va se passer. Non, le nucléaire c'est dangereux et les premiers conscients que c'est dangereux, c'est les salariés du nucléaire. Et techniquement, comment traiter le problème, c'est aussi les salariés du nucléaire, et donc on est obligé de faire le lien avec eux. Ça, c'est fondamental. Par ailleurs, les salariés du nucléaire, c'est pas tout. Oui, il y a eu une grève à Réval parce qu'il y a eu des suppressions d'emplois. Il y avait 90% de grévistes. Donc, il n'y a pas beaucoup de secteurs où le personnel se met en mouvement. Alors, par ailleurs, c'est vrai que le personnel est trié, donc obligatoirement, les pro-nucléaires, c'est quasiment la totalité du personnel. Mais on va être obligé de faire un. Alors, juste pour terminer, un point dans l'intervention, alors le camarade disait que le nucléaire c'était un débat franco-français. Non, c'est pas franco-français. De la même façon que quand il y a eu l'accident de Tchernobyl, le nucléaire il s'est pas arrêté aux frontières. Donc c'est un problème international, d'autant plus que on parle d'EPR en France, on construit un EPR. En Chine, ils en construisent 23 en ce moment. Donc il y a à peu près 70 réacteurs en construction dans le monde. Et il y a pas mal de pays qui se mettent sur les rangs. Alors pour ne pas les citer, alors, il y a des pays qui ont déjà une ou deux centrales. Bon, il y a le Brésil, il y a la Bolivie qui veut s'y mettre. Il y a le Bangladesh, il y a la Turquie, il y a le Ghana. Il y a le problème, il n'est pas non plus complètement terminé. C'est pour certains pays, effectivement, d'avoir un certain développement, etc., ou de régler certains problèmes énergétiques. Donc voilà ce que je voulais dire sur la partie nucléaire. Donc je crois qu'il faut se garder de penser que c'est un problème uniquement franco-français, et de même que le climat, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter en lien avec les... Alors, juste un dernier point là-dessus. Non, c'est parce que c'est important, c'était pour parler de ça aussi. C'est qu'il va y avoir le traité transatlantique, hein, tout se tient, et le but final, c'est d'abaisser les normes sur le moins 10 ans. Hein. Dans le nucléaire, on voit ce que ça peut donner, donc ça sera aussi l'occasion de faire le débat, et je crois que le problème du traité transatlantique doit être posé lors de la COP21. Puisqu'on a quelques mois supplémentaires parce que les négociations traînent, et donc ça va bien se caler avec le calendrier, donc je pense que c'est important.
Alors, dans les grandes perspectives au fond, on va essayer de donner la parole un peu plus. Les autres parlent après. Tu veux le micro est-ce qu'on m'entend? Oui. Elisabeth, 66, alors je suis militante écologiste depuis 30 ans, et je suis venue au NPA quand il y a eu cette belle réunion au voilà. Et j'y suis restée parce qu'au niveau écologique, c'est là que je retrouve ma place, comme la gauche, c'est-à-dire que, comme tout est à droite, même si on est extrême droite, en fait, je me retrouve qu'on est gauche. Je tiens à le préciser, même si on nous dit extrême, on est normal. je tenais quand même à. Par rapport au réchauffement climatique, ce que je trouvais très important de dire par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai qu'on est pessimiste, mais je veux dire, la Terre, elle s'en sortira, l'humanité, de toute façon, on y va quand même, hein, faut pas se faire d'illusions. Par contre, ce qui est important sur le réchauffement et qu'on n'a pas dit, c'est que maintenant, on sait que c'est l'homme qui est responsable du réchauffement actuel. Jusqu'à présent, que ce soit la peste, que ce soit toutes les différentes phases qu'il y a eu historiques, n'étaient pas dues à l'homme. Mais à partir de maintenant, nous sommes les responsables. On ne culpabilise, enfin, bon, nous, ce sont ceux aussi qui sont pour le nucléaire, etc. Hein. Voilà. Donc, je tenais quand même à le préciser, que je trouve que c'est important, c'est à l'homme, peut-être, de corriger un peu ce qu'il a fait. Voilà. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je suis venue justement au NPA, bon, je suis depuis un moment maintenant, et ce qui est intéressant, c'est la cohérence justement de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire le social, l'écologie, le féminisme, tout ça, c'est très important, c'est un tout. Et ça n'est, je ne l'ai pas trouvé ailleurs, moi, en France, je ne suis pas voyage pas trop. Voilà, donc je trouve que ça c'est très bien. Moi ça m'a intéressé aussi de voir le film d'hier de Pierre Carle que je suis depuis des années parce que dans l'écologie on connaît tous les films en général. Et je fais partie du service d'échange local, je fais partie des villes en transition. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent qui ne sont pas forcément politiques de gauche mais qui sont des alternatives en attendant la révolution. Parce que moi, ce que j'attends pas à la révolution, on fait ce qu'on peut, poc à poc, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, nous travaillons, par exemple, avec Enercop. Je fais partie de Confluent Énergie, qui est une société, donc on a créé nous-mêmes notre société. Donc, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire quelque chose pour les isolations des services publics. Donc, on a fait tout un travail en commun avec des écologistes radicaux, hein, plutôt. Voilà, donc, et c'est là qu'on s'est attaché au problème d'investissement, au problème des banques qui ne voulaient pas prêter alors qu'il y avait quand même de l'argent au départ. On a été voir toutes les banques. Je peux vous dire que c'est vraiment c'est titanesque, quoi, hein, parce qu'on a dû faire 2 ans pour avoir un petit crédit de 20 000 euros. Par contre, on a accepté un crédit de 200 000 euros en hypothéquant toutes nos maisons. Vous voyez un peu, là, hein. Voilà. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, ben, on va se bouger. On est donc là où on est, on a fait appel aux gens. Et ce qui arrive assez souvent en ce moment, c'est-à-dire qu'on a tous investi, on a sorti l'argent des banques, au lieu de le laisser à la caisse d'épargne qui rapporte d'ailleurs, vous verrez, rien, on a pris notre argent et on l'a mis dans ce genre de société collective. Je dois dire aussi que pour moi, ce n'est pas l'idéal, je préférerais que ce soit sous la forme, on dit nous-mêmes, c'est-à-dire que ce soit l'État contrôlé par les citoyens et que ce soit dans le domaine public. Voilà, ça c'est ma frustration en attendant de faire ce qu'on a. Non, il y a des choses qui se font. Nous avons été nommées premières dans les alternatives sur l'isolation du Languedoc-Roussillon avec des fonds régionaux pour 1 euro, si vous voulez, apporté par les gens, 1 euro donné par l'État. Bien sûr, on m'a dit la première des choses, ah ben tiens, vous faites ça, donc vous acceptez l'argent de l'État. Ben, j'ai dit, je paie des impôts et je préfère que mon argent aille là où je veux qu'il aille. Voilà, parce qu'on a toujours des contradictions. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses à faire. Alors le problème, c'est que vous avez raison, c'est des mesurettes. Moi, c'est des mesurettes. Et il faudrait vraiment faire quelque chose de beaucoup plus cohérent et vraiment établi avec une planification. Et je voulais vous dire qu'il y a quand même des énergies. Alors là, les énergies, je peux vous dire qu'on les utilise. Et c'est très, très difficile quand même sur le terrain. On se retrouve vraiment des convaincus. Et par contre, on a quand même une solidarité autour. Dès qu'on... Au niveau de l'argent, on a été étonnés. On a ramassé pratiquement 100 000 euros en un an. Avec rien que les gens qui ont dit bah, « on préfère que ça aille chez vous que dans les banques ». Donc je crois qu'il y a des choses à faire, il faut continuer. Alors la difficulté, c'est d'associer toujours le politique et d'arriver à une gestion collective
Donc, excusez-moi, j'étais un peu lente pour vous dire qu'il y a des choses à faire. Voilà, et je pense qu'il faut continuer. Voilà. Laurent, merci. Une question très brève par rapport au nucléaire. Julien, tu as parlé, tu nous as donné des chiffres très éclairants. Mais en fait, je voulais savoir dans quelle mesure l'entêtement français sur le nucléaire n'avait pas un rapport avec la stratégie militaire française, avec le complexe militaro-industriel. Et peut-être, je ne sais pas si on peut avoir des éclaircissements là-dessus. Merci. Sophie. Excusez-moi, est-ce que la camarade peut répéter sa question ? On n'a rien entendu. Prends le micro, Laurent, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. C'était simplement pour avoir des éclaircissements entre, sur l'idée de l'entêtement de l'utilisation du nucléaire en France et le rapport avec le complexe militaro-industriel ou la stratégie militaire ou la stratégie globale de la France dans le monde. Voilà, mettre ça en relation avec le fait que le nucléaire perdure en France et apparemment on va perdurer encore. Au moment où tu poses le nucléaire, il se casse la figure. Sophie Louvier, l'exemple donné par Bruno là, de la réunion avec Juppé me fait penser à une anecdote, quelque chose qui s'est passé chez nous et qui peut vous servir. Donc nous, moi j'habite près de Rouen et il y a un projet de construction de contournement d'autoroute et il y a un débat public. Donc on sait ce qu'on peut penser des débats publics qui n'ont public que le nom. Et on a beaucoup discuté dans le comité pour savoir s'il fallait y participer. Et comme les gens s'y intéressent parce qu'on est directement impacté, l'autoroute, on en a déjà deux sur le coin du nez, nous en avons une troisième, donc il se trouve que la population s'y intéresse. C'est intéressant d'aller dans ces choses-là, dans ces réunions-là, parce qu'on s'aperçoit que notre discours, nous, on pose les questions de vie quotidienne, de quoi on a besoin, la question des transports, la réorganisation. Et on les gens font bien la différence entre le langage technocratique de tous les experts qui présentent les projets et de tous les élus. Nous, il y avait tout le gratin, Marc-Antoine Jamais, le maire de Val-de-Reuil, numéro 3 de LVMH, secrétaire général. Ils sont là, on les prend en défaut. Parce que ces gens-là, ils ont un discours donc hyper technocratique, ils sont sur des schémas de croissance et c'est facile. On potasse un petit peu ces chiffres avant d'y aller, on prend les chiffres du GIEC, on prend un peu les chiffres qu'on trouve, nous, dans nos propagandes NPA, et on les coince assez facilement. On arrive à facilement à montrer qui sont les représentants d'un monde caduque, d'un monde ancien. On n'en est plus là aujourd'hui. On montre la réalité du réchauffement climatique et de ses conséquences néfastes, et on prend leurs chiffres à eux. On dit, mais voilà ce que vous nous proposez. Eh bien, nous, voilà ce qu'on propose. Et alors, quand ils dégainent l'argument, c'est imparable à chaque fois, oui, mais nous, on crée de l'emploi. Comme nous, militants NPA, on est plein pied dans les luttes sociales. Dès qu'il y a une fermeture de boîte, on est présent. Je veux dire, les gens qui sont dans la salle, ils nous connaissent parce qu'ils nous ont déjà vus auprès des collègues du Tripostal, auprès qui sont, qu'on fait 3 semaines de grève, bonjour, etc. Donc, on est tout à fait légitime. Et à ce moment-là, on a, comment dire, une certaine force, une certaine légitimité à parler aussi. Alors, parlons de l'emploi, monsieur Jamais, exactement. Et je veux dire, on les coince facilement. Donc, c'est pas parce qu'il y a des pontes de droite ou du PS, et on sait très bien. Nos arguments pèsent dans ces réunions, je vous assure, pour les avoir expérimentés. Donc, n'ayons pas peur, soyons offensifs, même si dans les. C'est sûr, Alternativa, on voit bien, moi je reviens sur Evo, ce qui va se passer le 12 septembre. Bon, c'est pas terrible pour l'instant. Mais s'il y a du monde, nous on va y aller, militant du NPA, pas sortir du nucléaire, une association qu'on a montée dans le département avec d'autres. Mais s'il y a du monde, évidemment qu'on va y rester pour. Puis on aura notre 4 pages et puis on va y aller. Quoi. Christine ? Alors, il y a encore 2 personnes en fond, puis après, je proposerai qu'il y ait un petit tour de réponse si vous le voulez, et puis on reprendra après les interventions. Ouais, donc c'était à propos.
C'était un peu un défi cet atelier parce que c'est le troisième du cycle, donc il y a un peu la discussion et sur nos réponses et sur la question de la mobilisation et sur l'écosocialisme. Donc moi je suis beaucoup trop timide pour parler d'écosocialisme en présence de Michael, donc je vais me concentrer sur la question de la mobilisation, parce que je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure à la fois de la possibilité de l'ampleur d'une mobilisation extrêmement massive, y compris dans des configurations et avec des moteurs de mobilisation qui sont des choses qu'on ne connaît pas forcément et qu'on ne maîtrise pas forcément. Juste pour revenir sur quelque chose qui a été dit par Dominique, quand il y a eu la mobilisation au mois de septembre dernier, il y a eu la grosse mobilisation de New York. Bon, on a un peu vu arriver ça comme ça. Mais y compris à Paris, y compris celle de Paris, alors sur les chiffres, est-ce que c'était 6 000, est-ce que c'était 10 000 ? En tout cas, ce n'était pas une petite manifestation, mais c'est une manifestation que nous n'avions pas vu venir. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. C'est une mobilisation qui a été faite exclusivement par Internet, à base, voilà, et avec une campagne publicitaire, hein, dans le métro, mais spot, le truc qui a eu... Ouais, il y a une espèce d'affiche là avec... dans le métro qui a duré très 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 peu de jours, de jours, et ça a mis, ben, je veux dire, même si c'est que 6 000 ben, personnes dans la rue, ça a fait ça. Donc il y a cette dimension là. Donc voilà, je dis ça pour le mettre dans un coin de sa tête, pour qu'on ait un peu la discussion aussi sur comment on apprend nous à s'investir avec ce qu'on sait, avec ce qu'on a à dire, dans une mobilisation et dans des formes qui peuvent être tout à fait déroutantes. C'est vrai que le cadre de la coalition est un cadre qui est extrêmement large, dans lequel il y a tout le monde. Parce que là, Dominique, il vous a parlé des gens qu'on connaît pour ne pas vous faire peur. Mais moi, j'ai participé aux deux dernières réunions nationales de la coalition climat. Bon, et ça discute beaucoup par petits groupes, il y a plein de techniques de discussion, etc. Donc des fois, c'est pas comme on a l'habitude, hein, c'est pas, voilà. Et on se retrouve, je sais pas moi, c'était un autre copain qui était là, il se retrouve à sa table de discussion, et puis il avait à côté de lui le responsable climat de l'église luthérienne. Voilà. Et en face de lui, comme ça, en diagonale, le responsable climat du Grand Orient de France. Voilà, c'est juste comme ça. Mais par ailleurs, on constate qu'il y a là une sorte de brassage qui est absolument incroyable. Il y a un vrai phénomène profond de l'ensemble de la société. Je ne vais pas parler du pape non plus, parce que ça, c'est pareil, devant Michael Jospin. Mais non, mais je veux dire ça. J'ai un complexe de Michael. Il y a cette dimension-là. Et puis, en même temps, on sait bien que les forces sociales qui sont capables de transformer, etc., etc., bon, et qu'il faut faire agir le mouvement social, le mouvement ouvrier. Mais pour ça, il faut gagner le mouvement social et le mouvement ouvrier à l'idée qu'il faut construire spécifiquement une mobilisation sur la question du climat, parce qu'on ne s'en sortira pas juste en continuant comme d'hab et en disant que grosso modo ça va dans le bon sens. Donc de ce point de vue-là, la question de Gérard, de qu'est-ce qu'on va construire de manière durable, c'est-à-dire de façon à ce que quand on dit on aura le dernier mot, ce ne soit pas simplement un slogan, mais que la question d'un mouvement de masse militant sur la question du climat est entièrement posée. Que le cadre de la coalition, je pense, est un cadre nécessaire et positif, parce qu'il marque la reconvergence de forces qui étaient jusque-là séparées, et ça s'est fait sur le bilan de la conférence de Varsovie, de la COP de Varsovie, où les grandes ONG qui étaient jusque-là dans les mobilisations sont sorties des mobilisations en disant basta, là le lobby du charbon qui manage la COP, ça suffit, nous on n'en est pas, et c'est ça qui leur a permis de sortir, et c'est ça qui a permis qu'aujourd'hui tout le monde est dedans. C'est un point positif. C'est un point positif tant qu'est maintenu l'aspect, on additionne les forces et on ne soustrait pas. Et donc, ceux qui pensent que la question du nucléaire c'est extrêmement important, ils ont toute leur place et on ne les fait pas taire au nom de ça peut déranger telle ou telle autre force. Bon. Donc on en est là.
évidemment, de manière durable, on voit bien que ce n'est pas ce type de cadre qui pourra perdurer. Donc, il est utile et opérationnel pour la préparation de la COP. Voilà, et la question de qu'est-ce qu'on construit, bon, c'est des choses auxquelles il faut qu'on s'attaque, mais on ne peut s'y attaquer qu'en étant totalement, complètement dans la mobilisation elle-même. Alors, je le redis, avec des configurations qui sont des configurations dans lesquelles on n'a pas l'habitude. Donc, moi, je pense que c'est très important qu'on ait une discussion concrète sur quelles sont toutes les portes d'entrée possible. Bon, il y a un truc qu'on a. Bon, parce qu'il y a évidemment mais on l'a entendu là, l'entrée par sortir du nucléaire. par cette question. Il y a l'entrée, transport gratuit, etc. Bon, mais il y a toute une série, toutes les mobilisations contre les grands besoins inutiles imposés ont quelque chose à voir avec le climat et le thème central. De Notre-Dame-des-Landes, par exemple, c'était « Chauffe la lutte, pas le climat ». Bon, et c'était absolument au cœur des discussions, c'est le meeting, etc. Mais c'est vrai, dans l'ensemble, bon, la Confédération paysanne lance une campagne autour de la question de l'agriculture paysanne, etc., contre le réchauffement climatique. Bon, donc toutes ces portes d'entrée-là, elles, ça ne dispense pas évidemment d'avoir une apparition au MPA, en tant que tel. Bon. L'autre, la question qu'on a peu abordée, c'est la bagarre qui vient à mener au niveau des organisations syndicales. Alors, il y en a qui sont très investis, bon, Solidaires et la FSU, dans la coalition, ont un rôle extrêmement important et extrêmement positif. En plus, voilà, c'est des camarades dont on est très très proches et qui font ça tout à fait bien. Bon, mais avant que ça redescende, ça ne s'appelle pas des UN ou des UD dans cette. Bon, mais avant que ça redescende, il y a un peu du taf. Mais pour que ça se soit fait, il faut que nous, dans les organisations syndicales, on fasse aussi ce job et qu'on soit des militants du climat dans les organisations syndicales. Dernière chose que je voulais dire, parce que tout ça est quand même très contradictoire, bizarre, etc. Pour revenir sur Alternativa. Alternativa, il y a des camarades de la région, mais Bayonne a été quelque chose d'absolument massif, hein, 15-20 000 personnes. On voit des Alternativas qui, bon, quelquefois sont un peu bon, la foire expo des renouvelables, quoi. Hein, bon. Mais pas que, parce que Pizzi, qui était à l'initiative de l'Alternativa Bayonne, et aussi ceux qui ont été là à l'initiative de discussion autour de la question des emplois pour le climat avec un vrai travail syndical et quelque chose qu'ils voulaient mettre au cœur du 1er mai par exemple. Et concrètement, ils font tout un truc autour de la question. Alors, moi je ne connais pas Bayonne en fait, la région, mais bon, il y a des histoires là de transport collectif, absolument. Bon, c'est-à-dire que ce souci-là, dans ces gens qui ont lancé Alternativa, ce souci-là, d'intégrer la dimension sociale et la dimension, ce que disait Sophie, de vraiment, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans notre vie, comment on peut se mobiliser, c'est extrêmement, c'est extrêmement présent. Bon. Alors après, ça peut être variable, hein, parce qu'il y a un côté Alternativa, marque déposée, avec une espèce de charte de fonctionnement et tout, qui sont des trucs, mais ouais, c'est ça, ça ressemble un peu à une secte, hein, quelquefois. Bon, mais après, ça dépend aussi de la façon dont nous, on est capable de s'y investir et de un peu malin aussi dans notre militantisme pour arriver à rentrer là-dedans. Bon, puis après, bon, je m'arrête. Vas-y. Moi, je vais donner toutes les informations sur notre président. Donc, tu es d'où, excuse-moi, son prénom ? Gérard. Tout ça m'intéresse. Oui, donc je crois que Notre-Dame-des-Landes s'inscrit complètement dans ce débat, puisque vous mettez le coup. Le thème, c'était « Chauffe la lutte, pas le climat ». Et chauffer la lutte, quand même, une affaire. Donc, ce que je viens de dire par rapport aux participations à l'Alternativa, c'est qu'à Notre-Dame-des-Landes, et c'est un peu un choix qu'on avait fait, il y avait plutôt moins de monde que les années précédentes, où il y avait gros concerts, bon, et tout. Ça ramassait pas mal de jeunes sur la base de la musique. Et là, un peu moins de monde, mais par contre, une participation au forum. Alors moi, j'organisais un truc sur je faisais passer des films sur les luttes dans le monde et tout, sur la
perd essentiellement tous les trucs-là. Moi, je me disais, à Notre-Dame-des-Landes, par le soleil, rentrer dans une tente surchauffée pour regarder des films, c'est de la folie, il n'y aura personne. Et à chaque film, de samedi matin 10h jusqu'à dimanche 18h, le barnum était vide. Donc, tout ça pour dire que, bon, c'est vrai qu'il y a une tradition et tout, mais un niveau politique des débats cette année à Notre-Dame-des-Landes, qui traduit vraiment, je crois, le climat qu'on peut avoir dans la lutte sur le climat, justement. Alors, un petit détail, un petit truc, ça me faisait rire sur Alternativa. Quand ils sont passés à Nantes, il y a 2-3 ans, je ne sais pas quoi, ils ont demandé à la mairie de Nantes, qui est la mairie chérie de ce cher héros, qui est à l'initiative de Notre-Dame-des-Landes, une subvention qu'ils ont obtenue. Donc, voilà. Le dernier truc que je voulais dire, moi, alors, je ne suis pas comme Christine par rapport à Michael, sur l'écosocialisme, moi, je pense qu'il faut que la base, que l'ENPA s'empare du débat sur l'écosocialisme. C'est un débat qui est mené dans la quatrième internationale, dans la revue un peu plus, etc. Et les textes de Michael, d'aujourd'hui. Et il y a d'autres textes en plus, enfin bon, il y a du boulot très intéressant à faire là-dessus. Il faut qu'on discute ça dans les villes, il faut qu'on fasse des réunions de l'NPA sur les thèmes-là, des réunions d'éducation populaire, moi j'appelle ça, c'est-à-dire d'auto-formation. On donne les militants bossent là-dessus, partagent avec les autres, y compris en faisant des réunions publiques pour faire venir les autres, etc. Et moi, ce que je rêve, c'est qu'à Notre-Dame-des-Landes, on fasse un grand débat sur l'éco-socialisme avec Michael, avec Christine, avec d'autres, avec d'autres. Ça s'est fait déjà. Il y a eu des commissions, oui. Ça s'est fait. Donc, on peut le faire à une échelle de masse. Je pense c'est vraiment un travail d'éducation populaire à faire à une échelle de masse. Merci. Il y avait une dernière personne qui voulait répondre. Donc, je suis en train de m'aider à Paris. Paris 1, c'est une fac, ça. D'accord. C'est pas un arrondissement. Bah, du coup, j'ai trouvé les propos très intéressants et le débat aussi intéressant. Je pense qu'ici, on est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'il faut une transformation révolutionnaire de la société. Des structures de production et de consommation. Mais en fait, il y a quelque chose pour moi, au moins, qui reste un peu ambigu dans le débat. Et en fait, c'est le sujet social un peu capable de porter cette transformation. Et c'est un peu dommage que Michael Loïc soit sorti parce que j'avais deux questions pour lui. Mais en fait, il a cité les peuples indigènes au Canada qui sont à l'avant-garde des mouvements écolo, des questions écolo là-bas. En France, on a cité le mouvement anti-nucléaire. Mais en fait, je suis d'accord que les mouvements écologistes peuvent jouer un rôle, c'est évident, sur des objectifs clairs, un peu précis, sur la question de l'environnement. Mais je pense que les travailleurs, eux aussi, ils ont un rôle central à jouer dans cette transformation-là. Pour deux aspects un peu. D'une part, de la position dans la structure, dans le processus de production, ils sont clairs. Et aussi, en raison de leur savoir-faire, moi je ne sais pas comment on pourrait transformer le système productif sans le savoir-faire des travailleurs dans les industries, dans les transports, dans l'éducation, etc. Donc du coup, j'avais deux questions. C'était, faut savoir si on pourrait expliciter un peu le sujet social capable de mener cette transformation, parce que je trouve le formule de mouvements sociaux un peu ambigu, et aussi quel rôle vous voyez pour la classe ouvrière là-dedans. Et puis une deuxième question un peu périphérique, juste si on pourrait expliciter ce que ça veut dire contrôle démocratique. Voilà. Si vous voulez faire déjà sur les interventions, un petit peu des réponses que vous voudriez faire ou avancer. Pas qu'un débat franco-français, c'est vrai, c'est un débat mondial. Les retombées de Fukushima, on les a mesurées jusqu'en France. Donc je veux dire, le nucléaire concerne l'ensemble de la planète. Cela étant, la France a vraiment une place particulière dans ce débat.
D'une part parce que bon, c'est le pays qui dépend le plus du nucléaire dans la production de son énergie, mais d'autre part parce qu'en plus on est un pays qui essaye à tout prix d'exporter le nucléaire dans d'autres pays, donc on participe évidemment au développement du nucléaire dans un certain nombre d'autres pays. Donc ça c'est clair et net. Hein. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment il faut qu'on travaille avec les travailleurs du nucléaire, ça c'est évident. Et d'ailleurs, il y a 3-4 ans, je crois qu'en 2011, on avait eu un atelier à l'université d'été où on avait justement un syndicaliste du nucléaire. Le thème du débat, c'était comment on fait concrètement au niveau de la transition énergétique, qu'est-ce qu'on fait des travailleurs, notamment du nucléaire, mais aussi des autres industries polluantes. Et évidemment que les travailleurs du nucléaire, ils vont avoir, déjà, c'est eux qui sont les plus exposés si une catastrophe arrive, ça c'est clair. Et ensuite, c'est évidemment eux qui vont devoir intervenir dans le processus d'arrêt du nucléaire. Parce que les centrales, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton ou de débrancher une prise pour les arrêter. Il y a derrière tout un processus pour les démanteler, pour gérer les déchets, etc. Donc on va de toute façon avoir besoin d'une partie des travailleurs du nucléaire pour gérer l'arrêt du nucléaire. Donc voilà, c'était simplement pour dire que je pense qu'au NPR, on essaye justement de s'emparer de cette question en lien avec les travailleurs des différentes industries concernées. Ah oui, et puis j'ai pas répondu sur la question du complexe du lien. Alors, je sais pas forcément, je sais pas si toi tu vas le faire plutôt. Tu le fais maintenant ? Oui. Bon. Il est évident qu'en France, tout particulièrement, le militaire a été le fondement de la création du nucléaire chez nous. C'est d'abord en faisant la bombe atomique avec le mythe de notre indépendance, etc., que s'est construit le nucléaire. Et ça lui déjà, ça posait un vrai problème d'ailleurs. Il n'y a jamais eu en France de débat, jamais eu en France de sujet lors des élections présidentielles, législatives, municipales, etc., sur le nucléaire. C'était le sujet militaire dont on ne parlait pas. Et l'industrie nucléaire aujourd'hui, nos politiques aujourd'hui, sont depuis plus de 50 ans, où on a installé le nucléaire, bloquées et fermées sur cette idée-là. Et ça ne concerne pas que la droite. Ça concerne quasiment une frange non négligeable de la gauche. On ne discute pas de ce sujet. Dans la vallée du Rhône, là où j'habite, au municipal, il n'y a pas un candidat qui parle de la centrale qui est à côté. On est dans l'idéologie militaire de la défense. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est un débat qu'on a, y compris avec des forces avec qui on travaille régulièrement, le Front de Gauche notamment, où on s'affirme aujourd'hui contre le nucléaire civil, mais qu'on dit qu'on est contre le désarmement unilatéral de la France. On dit, si oui, d'accord, mais si les autres se désarment, résultat, on n'avance pas. Discuter avec Mélenchon, discuter, y compris maintenant, même peut-être avec nos camarades d'ensemble, qui là-dessus deviennent de moins en moins clairs aussi, le sujet du militaire nucléaire est un vrai problème qu'on doit aborder nous. Et moi, je suis membre du réseau. Dans le réseau, on essaie de donner de plus en plus de place aujourd'hui aux groupes qui luttent directement contre l'armement nucléaire. Là, il y a eu une commémoration des 50 ans d'Hiroshima et de Nagasaki. Les 70 ans, pardon. On va comme ça, il y a tellement d'années nucléaires, on se trompait de quelques années, c'est pas grave. Ça a été l'occasion, effectivement, là, de réintervenir sur le sujet de l'armement. Donc, effectivement, l'armement a focalisé, a constitué notre implantation nucléaire. Puisque j'ai la parole, peut-être répondre sur un petit point, puis après je te donnerai, moi, parce que j'ai noté un petit point qui m'intéresse aussi un petit peu. Je suis assez d'accord avec la copie de 66 sur ce point. Bon, Isabelle, il faut qu'on pense notre intervention dans le mouvement écologiste qui commence à être réelle de NPA sur un long terme. Et je dirais qu'il faut qu'on le pense comme notre intervention dans les entreprises, de la même façon. Nous sommes pour l'abolition du salariat, mais ça ne nous empêche pas de nous battre pour un local mieux refroidi, pour une machine qui fonctionne mieux, pour un salaire de quelques centimes ou de quelques centaines d'euros, etc., qui ne sont pas des batailles anticapitalistes en tant que telles. Il n'empêche que si notre discours sur l'abolition du salariat, sur notre discours sur le pouvoir des travailleurs veut passer chez les travailleurs, il faut commencer à parler du quotidien, donc des micro-problèmes. Donc il faut, ce boulot dans les entreprises, on l'intègre plutôt bien. Les militants du NPA, les entreprises sont d'excellents syndicalistes, sont des gens qui savent maîtriser ces petits problèmes. Il faut, et c'est un peu l'objectif qu'on essaie
de vous donner pour sortir de cette université d'été, c'est que les militants de l'ENA s'emparent du mouvement écologiste par le petit bout de la lorgnette, deviennent des militants écologistes sur le terrain. Et donc, vont se battre sur Enercom, vont se battre sur les selles, vont se battre sur les échanges, sur les monnaies locales, vont se battre sur le nucléaire, vont se battre, etc. Rentrons dans ce mouvement-là. Et profitons justement de cet extraordinaire, comme l'a dit Christine, mouvement qui va se faire là, sur le climat, pour ne pas être des donneurs de leçons, ouais, il n'y a que le capitalisme, il faut abattre, et puis tout le reste, c'est de la merde. Non, c'est pas ça. Hier, il y a eu une discussion avec les copains étudiants. Naturellement, les copains disaient c'est plutôt par. On n'est pas favorable à faire des initiatives hyper propres là-dedans, mais à nous intégrer dans ce qui va se faire localement, avec plein d'autres forces, et puis à essayer de donner des directions. On ne va peut-être pas gagner, surtout, c'est pas grave. L'important, c'est d'ancrer le LPA comme une organisation reconnue comme écologiste. Et là, je laisserai Mickaël, parce que je ne voudrais pas non plus expliquer justement quel est ce lien théorique que l'on met aujourd'hui en voulant nous appeler éco-socialistes. Et puis, sur les travailleurs du nucléaire, il y avait une question sur le rôle des travailleurs. Comme je vous disais, oui, voilà, la vocation, c'est la même que celle dans les entreprises. Mais il est évident, par contre, que le LPA est. Je dirais quasiment la seule organisation en France, et je pense que la 80e nationale dans d'autres pays se trouve à peu près au même carrefour. Nous sommes, c'est pas à nous jeter des fleurs, hein, les seuls à être capables de parler d'écologie avec des ouvriers. Et nous sommes les seuls à être capables de parler des luttes sociales et des ouvriers avec les écologistes. Très peu de courants sont capables de ça. La CNT, un petit peu. Quelques courants anarchistes. Mais globalement, très peu. Très très peu. Il y avait une copine qui a quitté l'ETA, qui est partie à la GA, qui est maintenant à Ensemble, et qui me disait avant, on était, je pouvais discuter avec les ouvriers de Renault et de Peugeot, quoi. Voilà. Nous avons cette capacité-là. Le débat qu'on a eu il y a trois jours avec les copains de Renault sur comment on peut ne plus construire des bagnoles diesel, est-ce que c'est un débat, etc. Nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir le lancer, avec quelques autres associations. Bah, dans Solidaire, c'est des balas. Mais dans Solidaire, c'est des balas. Qu'est-ce qui les a lancés? Souvent des militants du LPA. Le Sudrail, moi je suis de Sudrail. Sudrail a mis 5 ans de débat pour adhérer au réseau sortir du nucléaire, alors que ce sont des emplois pour nous les cheminots nucléaires. Le triage de cette ville à Rouen, il ferme s'il n'y a plus de train nucléaire. On a abordé ce travail avec les salariés. Solidaire l'a fait, donc Sudrail l'a fait. Et il l'a fait à l'initiative de militants d'Alternatives Libertaires et du LPA. Donc nous sommes la cheville ouvrière de l'écologie. Et la cheville écologiste du mouvement ouvrier. Voilà. Et sur les travailleurs. Sur les travailleurs du nucléaire, alors là, il y a vraiment maintenant une réflexion très forte. À Malvézy, à Narbonne, lors d'un débat qu'on a fait contre l'usine Malvézy de Narbonne, sont arrivés des délégués du comité d'hygiène et sécurité de la REVA qui nous ont dit, on est, nous, bon, plutôt pro-nucléaire, c'est notre boulot, hein, mais en même temps, il y a tellement de sous-traitants chez nous, et puis maintenant des menaces sur l'emploi, qu'on est prêt à discuter avec tout le monde pour qu'on se batte ensemble. Et s'est engagé à partir donc de deux démarches différentes avec ses copains du CHSCT, CGT d'Areva, des copains de la CGT des travailleurs intérimaires, des sous-traitants, qui sont à la CGT mais pas à la CGT EDF, on voit déjà comment déjà la CGT ou même les autres syndicats des concerts, qui sont à côté, sont venus débattre avec nous. Donc on commence à faire un travail aujourd'hui avec les un boulot d'approche avec les travailleurs nucléaires. Et c'est pas. On évite les solutions faciles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une lutte sociale chez les nettoyeurs du nucléaire, parce qu'il y a plein d'entreprises de nettoyage, de gardiennage là-dedans qui ont fait des luttes dernièrement, on est les premiers à les soutenir. Lorsqu'il y a eu les boîtes de sous-traitance à Cruas, qui a fait l'objet d'un film RAS sur Cruas, c'est les mouvements antinucléaires locaux qui ont été les premiers à venir s'installer avec les tentes et à les soutenir lorsqu'ils installaient leurs tentes. Voilà, le mouvement antinucléaire a réfléchi à ça. À nous, mouvement ouvrier, de réfléchir dans le sens, lorsqu'il y a une lutte antinucléaire, d'y amener des salariés. Et on verra, c'est complètement faisable. Bon, j'ai perdu l'instant. Puisqu'on parle du nucléaire, moi j'en profite pour faire juste un petit ajout. Mais si on doit faire le bilan carbone, je reviens du coup sur la sortie quand même des énergies fossiles, mais si on doit faire le bilan carbone du nucléaire, et ça lie aussi à l'aspect un peu militaire, mais il faut prendre en compte l'aspect sécuritaire aussi. Parce que la sécurité autour des centrales, les flics et tout ça qui tournent avec l'hélico, etc., c'est un coût. En énergie fossile, il y a l'aspect sécurisation des mines au Niger, etc. Et puis, si on voulait pousser un peu plus loin, on pourrait mettre dans le bilan carbone du nucléaire la guerre au Mali. Ouais. C'est pas uniquement pour ça, mais donc le bilan carbone global du nucléaire, voilà, quand même, on pourrait élargir pas mal.
Je voulais clarifier un truc aussi, parce qu'on m'a fait la remarque sur Yasuni, que j'avais peut-être donné une vision très négative de l'initiative. L'idée, c'était pas de dire c'est bien ou mal, mais c'était vraiment simplement, je précise, de pointer la contradiction qu'il y a dans le cadre du capitalisme, pas seulement avec les intérêts privés, mais aussi avec les intérêts nationaux. Et ça montre toute la nécessité de se poser des questions à une échelle internationale, de solidarité internationale, etc. Parce que sinon, notamment les peuples des pays dominés, qui n'ont effectivement pas beaucoup d'autres ressources que des énergies fossiles, ils ont un intérêt évident à utiliser ces énergies fossiles pour arriver à s'en sortir, etc. Donc il y a une nécessité de se poser des questions à une échelle internationale. C'était surtout pour montrer ça. J'ai noté des trucs un peu en vrac, hein, mais... une remarque quand même sur l'homme responsable. Moi, je pense que l'activité humaine responsable du réchauffement climatique, certes, c'est vrai, on est d'accord, par rapport aux certains climato-sceptiques, etc., enfin, évidemment, mais il faut dire que ce n'est pas la nature humaine ou quoi, c'est l'organisation sociale, c'est le capitalisme. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est pas l'homme qui est nuisible sur la planète, etc. C'est une organisation sociale qui produit, une organisation économique qui produit la crise, écologique d'ailleurs, bien au-delà de la crise climatique, mais en particulier la crise climatique. Donc il faut qu'on fasse attention comment on présente les choses, parce qu'y compris avec certains courants de l'écologie profonde notamment. Ça peut être assez compliqué. Donc, nous, notre spécificité, c'est bien de pointer que ça vient de cette organisation sociale. Quelques éléments aussi sur. Moi, je pense que tout ce qui est alternative locale, concrète, tout ça, c'est intéressant. Les débats qu'on peut avoir avec les décroissants, y compris, j'ai pointé la nécessité d'une diminution massive de la production matérielle, etc. Donc, c'est des questions. Qui posent de manière juste, sur lesquels on est d'accord avec eux. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas juste la généralisation d'alternatives de ce type-là qui va résoudre le problème. Et c'était l'importance aussi de montrer à quel point c'est un problème global, massif, urgent. Et je pense que l'un des débats qu'on peut avoir avec ces courants-là, et de manière générale, et ce qu'on peut apporter aussi, c'est que nous, on pose la question du pouvoir, on pose la question de la propriété, on pose la question aussi de l'échelle globale, mondiale, et de la nécessité d'apporter une réponse à ce niveau-là, et pas juste une accumulation d'alternatives concrètes locales. Je pense que, y compris par rapport à la remarque de Bruno, moi, je pense que j'essayais de montrer dans notre réponse. Je pense que si on résume, c'est quand même qu'il y a deux questions centrales. Il y a la question de la propriété, parce que propriété des énergies, je n'ai pas précisé, mais il y a aussi la nécessité d'expropriation des banques, etc., pour être en mesure, quel que soit le coût, parce que d'un point de vue énergétique, oui, les énergies fossiles, c'est ce qu'il y a de moins cher pour produire de l'énergie aujourd'hui. Donc c'est aussi, indépendamment des coûts, assurer une transition énergétique. Et c'est la question du contrôle de la production, mais qui est liée à cette question de la propriété. Et ces questions-là sont centrales, et je pense que c'est aussi notre spécificité à nous de poser le problème par ce biais-là, et y compris par rapport à certains courants aussi écologistes qui vont poser le problème par le biais de la consommation, c'est qu'on pose le problème le problème ne se pose pas au niveau de la consommation, de qu'est-ce qu'on consomme, tout ça, parce que ce qui est consommé dans la société, c'est ce qui est produit, et c'est vraiment ce contrôle de la production qui est nécessaire. Et j'aurais pu l'aborder, mais ça avait été abordé par ailleurs il y a deux jours, mais par exemple la question de la publicité, c'est que le capitalisme produit et va essayer de découler derrière, mais la consommation n'est qu'une conséquence de cette production. En tout cas, nous, en prenant le problème à la racine, on le prend à ce niveau-là. Et évidemment, par rapport aux mouvements sociaux, c'est vrai qu'il y a aussi un débat. Les mouvements sociaux, il y a déjà la compréhension que il y a besoin de mouvements sociaux, de mobilisation, de ceux d'en bas, etc. Et que ce n'est pas des gouvernements qu'on va attendre
des réponses par rapport à la crise climatique. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu pour nous, si on peut poser la question de la propriété, du contrôle, de la finalité de la production, c'est d'amener aussi la lutte sur un terrain de classe. Et oui, évidemment, c'est pas le sujet révolutionnaire, soit tu posais comme ça, mais oui, bien sûr, ça, c'est la mobilisation des travailleurs par rapport à la question climatique est un enjeu essentiel pour nous. Deux derniers points, je suis plutôt d'accord sur il faut éviter le catastrophisme aussi. La situation est déjà suffisamment catastrophique en elle-même. Je suis pas sûr qu'il faille le présenter par exemple sur la disparition de la vie. C'est pas ça, mais par contre, c'est les conditions d'une vie correcte, déjà, c'est une chose. Et après, je pense que les conséquences de la crise climatique peuvent avoir des conséquences avant même la conséquence écologique, mais pas avoir des conséquences sociales énormes. On parlait des migrations, des réfugiés climatiques. On voit déjà les difficultés actuelles avec bien moins de migration, mais c'est les conséquences des guerres, etc., l'accès aux ressources énergétiques, l'accès à la nourriture, parce que il y a des problèmes au niveau alimentaire, etc. Donc je pense que oui, il vaut mieux poser sur ces questions-là concrètes qui en tout cas sont mesurables à l'échelle d'une génération, parce qu'après il y a une échelle plus lointaine, un emballement de la crise climatique, on ne sait pas du tout jusqu'où ça peut aller. Mais la disparition de toute vie sur Terre, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est pas à notre échelle concrète. C'est vrai que je suis plus pour appuyer sur vraiment des... Parce qu'il y aura des conséquences dramatiques sans être aussi catastrophiques que ça, voilà, sur à une échelle actuelle. Et puis, sur l'écosocialisme, pareil, je vais laisser Michael répondre sur la question. Si ce n'est que je pense que le problème, c'est pas l'étiquette, c'est après, c'est comment on pose les problèmes. Juste maintenant, je vais quand même dire un mot. Sur ce que j'essaie de présenter que cette question elle pose des problèmes nouveaux par rapport à notre anticapitalisme, tout ça, et que c'est cette idée-là, c'est que ça pose des problèmes nouveaux. Et après, est-ce qu'il faut utiliser tel ou tel terme? Je pense que c'est assez secondaire, mais voilà, le terme il permet aussi de montrer que ça pose des problèmes nouveaux, et voilà, c'est différent. Eh bien, je veux dire quand même un mot sur le catastrophisme. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, à long terme, si la température va jusqu'à 6 degrés ou même plus, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, est-ce que la vie humaine serait encore possible sur la planète? J'en sais rien. Je ne peux pas répondre, mais il y a un point d'interrogation. Ça suffit déjà pour être très inquiétant. Mais c'est vrai que ça ne concerne pas notre génération. Il y a quelque chose quand même de, entre guillemets, cocasse. Il y a un chapitre dans le livre d'Henri Claire où on voit de porte-paroles du capitalisme vert expliquant au public américain, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, dans le pire des cas, on va coloniser la planète Mars. Hein? C'est très facile, hein? On a tous les moyens techniques, etc. Bon, ça montre que, y compris du côté de la prophétie, on se pose une question là-dessus. Ce qui nous concerne, c'est ce qui va arriver dans les prochaines décennies. Et ça suffit, effectivement, pour nous inquiéter. Hein? C'est des catastrophes. Bon, on peut dire que c'est d'autres mots, mais c'est des catastrophes qui nous menacent dans les prochaines décennies. Par exemple, la montée des eaux, hein, ça a été mentionné. Mais simplement, et c'est vrai que la montée des eaux menace déjà directement une série des populations paysannes, par exemple au Bangladesh. Et c'est vrai que la montée des eaux, dans les prochaines années, peut provoquer des centaines de millions de gens qui sont obligés à quitter les côtes, etc. Pas simplement au Bangladesh, d'autres gens. Bien, c'est tout à fait juste. Mais je dirais, il y a un petit enjeu à attirer uniquement l'attention sur les menaces sur le peuple du tiers-monde. C'est vrai, hein, ils vont être les premières victimes. Hein. Mais on risque de tomber sur un registre compassionnel, c'est-à-dire il faut avoir quand même s'inquiéter de ces pauvres types du Bangladesh qui vont être noyés sous les eaux. Et oui, mais nous aussi, merde, il faut le dire, nous aussi qui habitons en Europe,
d'ici je ne sais pas combien d'années, personne ne pourrait voir quelques décennies, on risque d'être sous l'eau. C'est-à-dire, si l'eau monte, disons, un mètre, par exemple, évidemment pas la semaine prochaine, mais enfin, dans la prochaine décennie, personne ne peut dire quand, hein, dans la prochaine décennie, eh bien, c'est Amsterdam, Venise, New York, Marseille, Hong Kong, Londres, etc., qui vont être sous l'eau. Le cadre qui est sous l'eau. Bon. Pardon, par le cadre. Par le cadre, ne parle pas. Bon, ça, c'est le point que je pourrais dire qu'on peut se réunir ailleurs dans le contexte. Bon. Voilà donc quelque chose qui nous concerne directement, hein, et qui n'est pas à la fin du siècle. Non, pas du tout. C'est dans le prochain décennie. Donc, je pense qu'il faut assumer, entre guillemets, certains catastrophismes, parce que c'est des vraies catastrophes qui nous menacent la civilisation humaine telle qu'on la connaît. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se va passer avec la vie à la fin du siècle? Ça, effectivement, je n'ai pas de réponse, mais je ne peux pas leur dire non plus, pas de problème, ne vous inquiétez pas, l'humanité continuera à exister toujours, quoi qu'il arrive. Non, je ne sais pas. Point d'interrogation, c'est qui est quand même inquiétant. Bon, alors, l'écosocialisme, mes amis, je n'ai pas le monopole de l'écosocialisme. Hein. C'était une révolution de la 4e internationale il y a 10 ans, je pense. Hein. Tous les militants de la 4e internationale se sont emparés, ou doivent s'emparer de l'écosocialisme. Bon, l'NPA aussi l'a assumé, etc. Bon, donc ça fait partie de notre bagage commun. Hein. Et bon, deux mots sur l'origine. Bon, l'origine du terme apparaît dans les années 70, dans la gauche des Verts, en Allemagne notamment. Bon, il y a des gens comme Frieder und Wolf, et d'autres. Bien, mais enfin, après ça va se diffuser un peu partout, surtout à partir des années 2000. Bon, il y a une diffusion de l'écosocialisme un peu partout, notamment en Amérique latine. En Amérique latine, il y a beaucoup d'intérêt pour l'écosocialisme. Et bon, il y a un réseau écosocialiste international. Bon, beaucoup de gens s'emparent du terme, à tort ou à raison. Bon. C'est bien, par exemple, le gouvernement vénézuélien se déclare écosocialiste. Ils ont même un ministère de l'écosocialisme. Formidable, c'est important. Mais en même temps, ça demande de notre part une certaine surveillance critique. C'est-à-dire, on doit répondre. Enfin, on m'a écrit une fonctionnaire de l'argent du Vénézuélien. Parler de l'écosocialisme, nous sommes écosocialistes. Je dis oui, d'accord, enfin, vous visez du pétrole. Le pétrole, c'est l'ennemi de l'humanité. Bon, il y a un problème là. Bon. Donc, on doit être vigilant. Même chose, Mélenchon s'est emparé de l'écosocialisme, tant mieux, c'est bien, c'est un pas en avant. En même temps, on a quelques critiques à faire à leur conception de l'écosocialisme. Donc, c'est un nouveau terrain de débat, de discussion, mais je pense que c'est positif. Qu'on s'empare du terme, et je pense que c'est quelque chose de positif. Maintenant, pourquoi écosocialisme n'est pas simplement socialisme? Eh bien, parce que je pense qu'on part de la compréhension que la question écologique, et notamment le changement climatique, ça change tout. Hein. Donc ça change notre compréhension pourquoi nous sommes anticapitalistes. Hein. C'est-à-dire, on a toujours, depuis Marx, on est du capitalisme, parce que le capitalisme, c'est l'exploitation, l'inégalité, hein, tout ça, les guerres, hein, l'impérialisme. Mais maintenant, on ajoute encore un truc énorme, hein, qui est le capitalisme nous conduit à la destruction de la civilisation humaine, bon, sinon de la vie. Bon. Voilà, donc, une raison très importante d'être capitaliste. Et ça change aussi notre conception du socialisme. Par exemple, dans certains textes classiques du socialisme, du marxisme, on disait, bon, il faut changer les rapports de production pour permettre le développement des forces productives. Bon, c'était une certaine conception socialiste qui est athée. Hein. Aujourd'hui, on dit évidemment qu'il faut changer les rapports de production, exporter le capital, mais il faut changer de fond en comble les forces productives elles-mêmes. L'appareil productif tel qu'il existe, ça ne va pas, il faut le casser, il faut le transformer, bon, etc. Bon, donc on a une conception beaucoup plus large, beaucoup plus profonde des transformations nécessaires pour une transition au socialisme, pour une alternative socialiste, et l'écologie est au centre de cette nouvelle conception. C'est pour ça qu'on a décidé, beaucoup d'entre nous, de la 4e et de l'UFR, qu'il fallait un terme qui, disons, désigne cette dimension nouvelle, c'est pour ça qu'on a choisi éco-socialisme. On peut l'appeler autrement, on peut l'appeler éco-communisme, on peut l'appeler socialisme écologique, etc. Enfin, l'idée principale, c'est que il ne peut pas exister de socialisme qui ne soit pas écologique,
Et Dieu sait que ça a existé, hein, que ça existe encore, bon, des mouvements, des partis, des états, entre guillemets, qui s'incarnent socialistes, qui n'ont rien compris. Et l'autre côté aussi, il ne peut pas exister d'écologie qui ne soit pas socialiste. Parce que l'écosocialisme, c'est aussi ça. C'est une discussion avec nos camarades écologiques en disant, si vous croyez qu'il peut exister une alternative écologique qui ne soit pas socialiste, vous vous trompez. Hein. L'écosocialisme, ça veut dire ça aussi. Bien. Alors, la classe ouvrière, j'ose rien dire sur la classe ouvrière, c'est bon, Christine. Bon, mais je vais quand même le mot, qui sont, premièrement, il faut partir du fait que souvent, par exemple en Amérique latine, hein, mais pas seulement, aussi au Canada, bon, ceux qui sont à l'avant-garde de lutte socio-écologique, celui qui sont à la classe écologique, contre les multinationales, contre les compagnies de pétrole, etc., le mine d'or, etc., c'est les indigènes. C'est les indigènes. Bon, c'est nouveau. Ce n'est pas prévu, ni par Marx, ni par Engels. Bon, vous ne connaissez pas les indigènes. Bon, voilà. Vous connaissez les indigènes. Vous admirez beaucoup les indigènes. Il faut lire les origines de la famille de Engels. J'avais une grande admiration pour les tribus indigènes de l'Amérique. Bon, enfin, comme. Sujet des luttes, hein, très important, ils sont à l'avant-garde, hein, il faut le reconnaître. Donc, cela dit, nous savons pertinemment qu'on ne pourra pas faire une transformation révolutionnaire de la société sans le travailleur, c'est évident, hein, sans le travailleur. On ne peut pas le faire simplement avec les étudiants. Donc, notre tâche, c'est de gagner les travailleurs. Bon, une tâche complexe. Hein, bon. Mais nous sommes, on a la raison, hein, dans le mouvement écologique, etc., dans la gauche, nous sommes pas les seuls, enfin, parmi ceux qui ont cette préoccupation de porter l'écologie au sein du mouvement ouvrier, pour porter les revendications ouvrières au sein de l'écologie. Bon, donc, nous avons un rôle spécifique à jouer, évidemment, et c'est très important. Voilà. D'accord. Alors, on a une petite dizaine de minutes, s'il y a une ou deux personnes qui veulent intervenir. Oui, justement, ce contrôle démocratique. Pourquoi on dit contrôle démocratique et pas simplement contrôle ouvrier? Parce que les questions du contrôle sur la question des transports, sur la question de l'urbanisme, sur la question de la consommation, etc., ne concernent pas simplement les ouvriers dans les entreprises. Hein? Ça concerne l'ensemble de la société. L'ensemble de la population doit avoir son mot à dire de comment on organise le transport, y compris sur le qu'est-ce qu'on fait avec les usines. Bon, la population qui vit autour de l'usine polluante et dangereuse, elle a son mot à dire qu'est-ce qu'il faut faire avec cette usine, pas uniquement les ouvriers. Donc c'est pour ça qu'il y a le contrôle ouvrier, évidemment, c'est pas pour le contrôle ouvrier, mais c'est pas pour le contrôle démocratique de toute la population sur les affaires qui la concernent. Et je rajouterais, dans le mouvement anti-nucléaire, on est très confronté à des écologistes anti-nucléaires qui sont pour la privatisation de l'énergie, parce qu'ils ont vu ce qu'était le service public, et leur réaction naturelle, c'est de dire qu'il ne faut plus de service public, il ne faut plus de péréquation, il faut plus tout ça. Si nous, on veut redéfendre l'idée de la décommercialisation d'un certain nombre de services, et notamment d'énergie, donc d'un service public, il faut qu'on avance effectivement le fait qu'on ne peut plus faire des grosses machines comme EDF, mais qu'il faut décentraliser, qu'il faut donc un contrôle, des droits de veto, etc. Par exemple, dans le domaine des transports, les cheminots se sont posés également ces débats-là sur une SNCF, service public, mais qui serait effectivement beaucoup plus décentralisée que cet énorme appareil dirigé par deux ou trois grands dirigeants. Quoi. Voilà. Mais qui est-ce qui voulait de... Voilà. Alors, très court, là, pour le coup, parce que, bon, on a tout le temps. C'est... Alors, une question en ce qui concerne les OGM. Est-ce que si vous prenez, bon, à part toute la critique et toute la question Monsanto et autres entreprises, si vous prenez une graine OGM et vous la semez dans un champ qui soit, du point de vue de l'agriculture écologique, est-ce que le résultat sera de la farine qui sera nocive pour la santé ou pas? Et en ce qui concerne les antennes de transmission de téléphonie mobile, est-ce qu'il y a un champ, de toute façon maintenant il y en a dans toutes les villes,
mais est-ce qu'il y a un certain nombre de mètres où ces antennes-là ont aussi des effets nocifs sur le corps humain? D'accord. J'aime bien parler. Bien. Bon. Ma question, c'est plutôt. On a parlé des montées des du niveau de l'eau, d'accord. On pourrait parler aussi, sans doute. Je pense qu'on n'a pas assez pas. On a parlé de la montée des eaux avec le réchauffement, mais on a peut-être un peu moins parlé. Mais bon, je pense qu'il faut. C'est juste pour le dire. C'est qu'il y a certaines cultures, blé, soja et autres, qui du fait de l'accroissement de la température, ne se pourront plus se faire dans certains pays. Ça, ça a des conséquences aussi sur les hommes et les femmes. Mais pas que. Oui, oui, parce que alors, les hommes sont responsables de tout. Moi, je viens féministe, même jusqu'à là. Bon, c'était de l'humour. C'était de l'humour. Bon, enfin, voilà. Bon, la chose, c'est qu'on a un discours là, un petit peu, je trouve, très centré sur l'homme. Les femmes aussi. L'être humain. Voilà, l'homme, l'être humain. Sauf que n'oublions pas qu'on est quelque part dans la nature. Et que notamment avec les animaux, que je viens de lire un livre de Pic, je ne sais plus son nom, c'est pas un anthropologue, mais un genre de l'homme, etc., qui parle de ça, de l'évolution du darwinisme, etc., de la nécessité de certains et des animaux, en général, pour le maintien de la vie, de toute la vie. Et que le climat, et sans parler du nucléaire, etc., en particulier, détruit un équilibre écologique général. Que, voilà. Donc ne soyons pas anthropocentristes en ne voyant que les êtres humains. Il y a aussi, on pourrait parler des abeilles. Je ne sais pas si les abeilles résisteront, oui, je crois, à 2 degrés, je pense qu'elles tiendront chaud. Il y a certains types d'animaux qui ne résisteront pas, qui seront complètement réduits à zéro et qui empêcheront, du coup, cette écologie générale. C'est ce qu'on appelle la défense de la biodiversité. Voilà, c'est tout. Je voulais répondre juste à la copine, mais elle est partie là, au sujet d'un autre aspect de la relation entre l'armée, le militarisme et l'écologie. En 91, pendant la guerre d'Irak, il y a un certain nombre de stratèges qui ont constaté, et c'est dans le livre là dont j'ai déjà parlé, La nature est un champ de bataille, ont constaté que 80% des transports militaires était du pétrole. Donc, ça fait longtemps qu'eux réfléchissent aux énergies renouvelables, à savoir comment amener de l'eau et de l'électricité aux combattants sur des champs de bataille qui sont hostiles comme le désert irakien. Très bien. Ouais. Je vais faire un truc un peu provocateur. Il y a qui prennent par l'ironie le fait qu'il y ait des religions, des représentants religieux dans les rues. Moi, je voulais... On parlait de la civique du pape, que je vous invite à lire, et qui, à mon avis, est une rupture fondamentale dans la pensée de l'Église, y compris d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire, le pape critique des pensées anciennes, il ne cite pas, mais vous savez bien que c'est l'ancienne pensée de l'Église, qui situe l'homme au centre, qui considère que la nature, c'est mal, et que la matière, c'est mal, et que l'esprit, c'est bien, que l'homme est séparé de la nature, il y a une critique philosophique de ça, qui est un tournant majeur, à mon avis, dans la pensée religieuse, si ça se confirmait, si ça se diffusait dans l'espace religieux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un document qui est très bien fait de point de vue pédagogique et scientifique, à part toutes les fioritures sur les vendeuseries, mais ça, c'est nécessaire. La couverture avec le pape complètement illuminé devant le pigeon blanc. L'Esprit Saint est descendu sur lui. Évidemment, ça fait rigoler, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Et que c'est quelque chose, c'est un événement politique important, qui signifie aussi que dans l'Église, il se passe des choses aujourd'hui. Probablement pas que sur la question du climat d'ailleurs, et que c'est révélateur de quelque chose d'important. Il faut simplement rappeler que la théologie de la libération voit en France des mouvements comme la JOC, y compris parmi nous, il y a des militants qui sont issus de cette politisation de l'Église des années 60. Je pense que peut-être qu'on a quelque chose d'équivalent en train d'apparaître aujourd'hui, de réapparaître, qui les anciens réprimés relèvent la tête. Voilà. Je voulais
attirer votre attention sur le fait que dans le monde, la très grande majorité de la population pense le monde avec une pensée religieuse, se vit dans la société comme appartenance à une religion, et je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif sur comment les religions se déterminent par rapport à ça. Moi, je crois que le mouvement actuel, que ce soit quand on voit les églises présentes à la coalition du climat, est extrêmement important et positif. Voilà, il ne faut pas le prendre par la dérision. Je voudrais une toute petite réponse des questions sur OGM qui vont être des non-réponses en fait. Sur les OGM, en principe, Monsanto, une grosse entreprise comme ça, ont créé des graines non reproductibles pour pouvoir les revendre justement. C'est le commerce des graines. Cela dit, la nature est plus forte, c'est un peu comme dans le film avec les dinosaures là, et elle a toujours une petite porte de sortie et on commence à retrouver dans des parcelles à côté bah, des plants OGMisés, quoi. Alors, c'est relativement peu fréquent, mais si on développe les cultures OGM, c'est évident que cette problématique sera. Là, il faut se rapprocher un petit peu des faucheurs d'OGM et des groupes qui existent un peu partout pour avoir un peu plus de renseignements. Sur les téléphones mobiles, je ne te répondrai pas, mais il y a une association, alors il y a la CRIRAD là, mais il y a une association créée par à peu près les mêmes personnes d'ailleurs, qui s'appelle la CRIRAM. Leur site est très intéressant et tout le travail sur les proximités, les attaques contre les antennes, par exemple, auprès des écoles et tout ça, tout est référencé, il y a des rebats d'étoiles aussi. Donc voilà, je vous renvoie sur ces associations, on ne va pas y répondre maintenant, c'est trop long, mais voilà, ce sont des associations qui sont fiables et qui font un relativement bon travail sur le sujet. Non mais, si dans ce que j'ai dit, ça apparaissait comme ironique ou minorant, c'était justement pour insister, je pense, sur la profondeur de ce qui est en train de se passer dans la société, et pas du tout, et je partage intégralement ce que tu viens de dire, y compris sur la question de l'encyclique du pape. Donc c'était pas du tout ironique. Moi c'était juste un peu sur la discussion un peu autour des questions propriété, démocratie, etc. Je pense que à la faveur des discussions, des mobilisations, là, on devrait reprendre un petit peu ces discussions. Et il me semble que parmi les choses qui, d'un point de vue éco-socialiste, sont les plus, comment dire, prometteuses, bon, il y a une approche un peu au travers de ce qui est écrit par Laval et Darlon sur la question du commun, bon, et qui, justement, articule la question d'une propriété qui soit pas une propriété d'appropriation, mais qui soit une sorte d'usage en commun, avec en même temps un devoir de prendre soin, qui est quelque chose qui renvoie complètement aux questions qu'on se pose, et avec une dimension qui est extrêmement importante, je pense, pour tout, qui est une dimension éminemment politique, puisque pour eux, c'est pas l'idée qu'il y a comme ça des choses qui seraient, parce qu'on entend beaucoup par l'organisation les biens communs, il y a des choses qui seraient naturellement en soi communs ou communes. Bon, et eux, ils ont une explication extrêmement politique, qui est que le commun, c'est ce qu'on institue comme commun, c'est ce dont on décide collectivement de se donner des règles d'usage et de prendre soin qui sont communes, justement, et je pense que ça permet de reposer, y compris l'articulation entre les questions de propriété, les questions de démocratie et les questions de non-neutralité d'une toute une série de décisions d'un point de vue à la fois social et écologique qui sont tout à fait essentielles. Et il me semble que, parce que maintenant, là, nous, c'était notre dernier atelier pour cette année, ben, peut-être que c'est des choses qu'on pourrait poursuivre l'an prochain. Et je pense que cette discussion-là serait une discussion qui, à la fois, remettrait au cœur les questions de l'écologie et des questions plus sociales, qui permettrait d'avancer ensemble dans l'élaboration. Christine, parce que la micro annonce le fait que des gens qui veulent s'inscrire sur la liste. Voilà, les gens, alors, l'importance de la mise en commun de toutes les informations sur la mobilisation climat, la circulation rapide de l'information, c'est évidemment très très important. Donc, il y a une liste qui existe, qui s'appelle GT Climat, etc. Si vous voulez être inscrit sur cette liste-là, on remettra l'annonce dans l'info, etc. Mais si vous voulez que ce soit fait tout de suite et en direct et en circuit court, le mieux c'est d'aller voir directement Yann pour demander à être inscrit sur cette liste. Yann, tu veux dire un mot? Non, mais
Je voulais juste ajouter un petit truc sur le contrôle démocratique de la production. Je pense que c'est important, mais ça fait aussi partie des débats qu'il y a eu il y a deux jours, y compris sur le mot d'ordre d'autogestion et ses limites. C'est qu'effectivement, c'est pas juste les travailleurs qui produisent quelque chose qui doivent choisir ce qu'ils produisent, même si ils doivent évidemment avoir un rôle là-dedans, y compris sur les manières de produire, les conditions de travail, etc., parce qu'ils sont les premiers concernés. Mais pour prendre un exemple simple, en fait, c'est la question de l'agriculture, mais après, c'est plus généralement sur les besoins sociaux en général. Qui peut déterminer les besoins sociaux? C'est pas uniquement ceux qui produisent dans tel ou tel domaine. Mais l'agriculture, la vision qu'on peut avoir sur le contrôle de la finalité de la production agricole, c'est pas juste les agriculteurs qui choisissent qu'est-ce qu'ils vont produire, c'est aussi la population qui détermine les besoins sociaux en termes d'alimentation et aussi par rapport à l'environnement, etc. Donc c'est avoir cette idée-là, parce que si c'est juste les agriculteurs qui déterminent ce qu'ils produisent, surtout si on est encore dans une économie de marché, évidemment, nous, on passe ce problème dans une autre société, mais ils auront sans doute plus intérêt à produire pour le marché mondial que de produire pour satisfaire les besoins sociaux de leur voisinage. Quoi. Donc c'est pour ça que, après, la forme exacte, elle n'est pas écrite d'avance. Ça dépendra aussi des luttes, etc. Mais c'est pour ça que souvent, quand on parle socialisation, y compris des banques, ce contrôle des travailleurs et des usagers, mais le « et des usagers » n'est pas secondaire, c'est une question importante. Bien, merci à toutes et tous. Bonne après-midi.